Que pensez-vous du futur du Salah maintenant? Voyez-vous qu'il doit rester avec Liverpool ou qu'il doit joindre un autre club européen ou qu'il doit accepter l'offre saoudienne? La carrière, elle est courte, mais dans l'histoire du football européen, Liverpool, c'est un des plus grands clubs au monde. Il a la chance parce que aller là-bas pour regarder l'entraînement ou pour voir qu'est-ce que ça présente Liverpool. Donc, il a un entraîneur qui l'a ramené là-bas et qui lui fait confiance. Il est numéro un dans son club. Donc, je pense qu'il est bien négocié ce renouvellement de son contrat. Chercher ailleurs, je vois pas mieux. Après, quand tu es si longtemps dans un club, un grand club, et que tu sens que tu es toujours respecté, pourquoi chercher ailleurs? Après, vous avez donné peut-être une proposition pour lui d'aller au pays des Golfes. Je pense, hein, qu'il a, avec quelques années au Liverpool et tout ça, je pense qu'il a déjà rassuré l'avenir de sa famille. Après, il ne faut pas être non plus naïf de se dire non, ça va. La carrière passe vite. Il est maintenant à trentaine, question d'âge. Là, parce que quand vous voyez et je suis contre ça parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'argent, il détruit le football. Mais il ne faut pas être naïf. Et Mohamed Salah, s'il a rassuré pour lui, Maneka allait rassurer encore pour ses enfants. Et pour rentrer en Égypte encore plus tranquille qu'il est aujourd'hui.